L'épicerie solidaire d'Aurore a ouvert il y a un peu plus de 15 jours, fin octobre, dans le secteur des Murs à Pêche, rue Saint-Antoine à Montreuil. On y accueille des familles de Montreuil, orientées par des travailleurs sociaux, soit des institutions montreuilloises, soit des associations, pour une durée de 3 mois, renouvelable 2 fois maximum. Pour nous aider dans notre fonctionnement, on a fait appel à des bénévoles qui viennent nous aider tous les jours, soit sur la collecte et le tri des produits, soit pendant les jours d'ouverture, donc le lundi, mardi et jeudi après-midi, et le vendredi matin. Bonjour, alors moi je m'appelle Richard. Je m'occupe de la collecte avec Tarek, qui est salarié dans l'entreprise. C'est une association qui aide énormément les personnes en difficulté, notamment à travers les ateliers, en dehors bien sûr de l'aide alimentaire. Alors donc aujourd'hui il y a l'atelier cuisine, il y a l'atelier couture, musique. Ça amène en plus un bien-être pour les gens qui viennent à l'association. Comme j'ai du temps de libre, je me suis donné pour objectif un peu d'aider les gens en difficulté. Je ne me sens pas très bien, donc je pense que je vais rester un bon moment.